Afin que Dieu lui vienne en aide, afin que Dieu se fasse connaître à lui-même, car la révélation appartient à l'Église de Dieu. Dieu se révèle à qui il veut se révéler. Si tu as soif, que Dieu se révèle à toi, lève seulement ta main. N'abre au péché. Je prierai pour toi. Dieu du ciel, qui voit ta foi, qui voit les pensées de ton cœur, qui voit ton désir, descendra vers toi uniquement. C'est une affaire entre toi et Dieu. This will be done in between you and God. Que Dieu vous bénisse pour tous qui avez levé la main. May God bless you, all of you that have. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant. Our Father in heaven, God. En tant que ton serviteur, j'ai prêché ta parole. As your servant, I preached the word. Au mieux de ma connaissance. According to my knowledge. Je suis resté le plus près possible de la Bible. I've limited myself in the principles of the Bible. Après que ta parole a été prêchée, after your word has been preached, le Saint-Esprit a touché le cœur des frères et des sœurs. The Holy Spirit has touched the heart of the church. J'ai peint Jésus comme crucifié devant ton peuple. I've painted Jesus Christ as crucified. J'ai montré les souffrances de Jésus à la croix. I've shown the suffering of Jesus. J'ai montré qu'il a été ridiculisé. J'ai montré qu'il a été crucifié sans aucun habit, tout nu. Quel monde! Quel monde de la gloire a eu! The Lord of glory has. À cause de nos péchés! Because of our sins. Quel amour il a manifesté envers nous! What love he manifested! Afin que nous soyons sauvés! Nous sommes sauvés, Seigneur! We are saved. Now, Father, regarde nos cœurs qui ont soif du Saint-Esprit.
C'est impossible that God can lie. Ce qui est impossible à l'homme est toujours possible à Dieu. Amen. Is always possible. Et ça au lieu de nous faire. Come down in among us. Confirme ta parole. Confirme your words. Touche les cœurs qui sont humbles. Touch the hearts that are humble. Remplis les cœurs qui sont assoiffés. Fill the hearts that are thirsty. C'est toi qui as promis dans la Bible, tu as dit. It's your promise in the Bible saying. Heureux ceux qui ont faim, sont rassasiés. Happy are those who have the hunger, they will be filled. Regarde à ces cœurs, mes enfants. Look at those hearts, Father. Beaucoup ici ne te connaissent pas. So many here don't know you. Toi, tu es un Dieu caché, mais tu te révèles dans la simplicité. You are a God who is hidden, but reveals himself in the simplicity. Révèle-toi à tous ceux qui ont levé la main. Reveal yourself to those who have visited us. Je t'en supplie, Père. I'm asking you, Father. Pardonne leurs iniquités. Forgive their sins. Sur base du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ. Through the blood that was shed on the Calvary, the blood of Jesus Christ. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Thank you for all that you have done among us. Car tu es Dieu qui a été toujours fidèle à ta parole et juste. Because you are always the God that has been always faithful to merci your word. Merci pour le pardon des péchés. Thank you for the forgiveness of sins. Merci pour avoir mis fin à nos crimes et à notre prostitution d'Égypte. Thank you to have put the end to our iniquity, comme the sin of Egypt. Comme tu l'as promis dans ta parole. As you have promised in your word. Bénis d'une manière spéciale tous les frères et sœurs qui ont levé leurs mains. Bless in a special way those who have lifted up their hands. Bénis toute cette église de Sheffield. Bless the church of Sheffield. Bénis mes frères et sœurs bien-aimés qui sont venus de Nottingham. Bless my brothers and sisters who have come from Egypt. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Asking with faith in Jesus Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Is there anyone among you qui n'a jamais été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ? Who has never been baptized in the water in the name of Jesus Christ? Et qui a été touché par le Saint-Esprit lorsque la parole était prêchée? And has been touched by the Holy Spirit when the gospel was preached? Et qui désire s'engager? And wants to engage himself? À être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. To be baptized in water in the name of Jesus Christ. Il peut lever la main ou elle peut lever la main. Or she can lift up his hand. Aujourd'hui c'est encore le jour de grâce. Today it's again a day of grace. Mais quand Jésus-Christ revient, la grâce est terminée. But when Jesus Christ comes back, grace will be finished. Si quelqu'un veut être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, anyone want to be baptized in water in the name of Jesus Christ? Qui lève la main ou qu'elle lève la main, c'est une seule. Et Dieu lui fera grâce. And God will give him the grace. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there anyone? Ceux qui avaient levé la main l'autre fois. Those who lifted up their hands last time. Just drop your hand. Le pasteur se chargera d'aller vous baptiser. The pastor will take. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui? Is there anyone again today? Il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui? Is there anyone? L'autre fois, tu n'avais pas levé la main, frère. Last time, didn't you lift up your hands, brother? Oui, que Dieu te bénisse. May God bless you. Alors viens ici devant. Then nous allons prier pour toi. Come in front here. Okay, we are going to pray for you. Viens ici devant. Come before. Nous allons prier pour toi. We are going to pray for you. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Is there anyone? Que Dieu appelle au salut. God is calling to the salvation. Et qui accepte d'être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Who has accepted to be baptized in water? Le baptême que les apôtres ont appliqué dans la Bible. The baptism that the disciples applied in the Bible. Nous allons prier. We are going to pray. Notre Père céleste. Our Heavenly Father. Ta parole a été prêchée. Your word has been preached. Deux âmes ont cru et sont venues à Christ. Two souls have believed that they have come to Christ. Je prie pour ces deux âmes. I'm praying for these two souls. Afin que tu les reçoives, qu'elles soient à toi.